C'est quoi une agriculture industrielle? C'est le modèle sur lequel notre système agricole est fondé. Une agriculture très mécanisée, fan de monoculture, d'élevage industriel et d'intrants chimiques. La production de céréales a triplé en 50 ans. Les prix des matières premières ont chuté d'environ 60%. Et de nombreux agriculteurs le payent cher, très cher. Alors en France, où en sommes-nous? Notre pays est accro aux pesticides. Résultat, des réactions en chaîne, destruction des sols, pollution des eaux provoquant une perte irrémédiable de biodiversité. L'usage des pesticides cache un véritable scandale sanitaire, autant pour les agriculteurs que nous, consommateurs. Pendant ce temps-là, les géants de l'agrochimie tentent de nous imposer de nouveaux OGM en contournant la réglementation européenne, et certaines multinationales en profitent. Elles posent leur main de fer sur notre système alimentaire. Ce modèle contribue aussi à l'accélération des dérèglements climatiques. L'élevage intensif est ainsi l'une des activités les plus émettrices de gaz à effet de serre, 14,5% des émissions globales. Avons-nous des solutions concrètes pour protéger notre santé, le climat et la biodiversité? Oui, et les solutions sont très simples. Supprimer l'usage des pesticides dangereux pour les abeilles et la santé humaine, réduire la consommation de viande et de produits laitiers et surtout soutenir les éleveurs et agriculteurs vers une transition écologique. Nous pouvons changer les choses en offrant à tous des pratiques agricoles et une alimentation saine. Avec une agriculture qui sert les intérêts des producteurs et des consommateurs et non ceux des multinationales. Un mouvement pour défendre un modèle basé sur l'agroécologie est en marche. Et il prend de la force et de l'ampleur sur tous les continents. Ensemble, participons à ce mouvement et accélérons le changement de modèle agricole.